Bonjour Laetitia, comment allez-vous? Très bien, merci Isabelle, je vais très bien, merci. Donc le festival Congolisation commence aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle dans le festival? Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est production. Donc je contacte les artistes, je prends soin de vérifier avec eux le planning, de voir que tout se passe bien. Voilà, vraiment essentiellement la production. Après, au sein de Skinfama, je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif. Donc voilà. Ça fait maintenant un petit peu moins, bientôt 2 ans que je travaille pour Skinfama. On a vraiment tous la possibilité de pouvoir donner notre avis ou de faire des suggestions sur les artistes. Donc oui, je fais effectivement également partie du pouvoir décisionnel. Oui. The Revolutionary, donc on a déjà dû voir également à la télévision, vu qu'ils ont participé donc, à La France a un incroyable talent. Donc notamment, il y a d'autres shows assez... voilà, tout à fait, entre autres. Donc vous allez voir également une exposition donc par la carte blanche de Anne Wetsi qui est juste, enfin voilà, vous allez voir, elle est juste formidable. Vous allez également voir une pièce de théâtre donc qui aura lieu donc le jeudi, Save the Spot. Nous allons avoir vendredi droit à la carte blanche, mais cette fois-ci d'Alessandra Setin. Donc il y aura une composition solo d'une artiste donc qu'elle a choisie et donc une création artistique donc voilà en primeur que vous allez découvrir donc le vendredi de Aurel Zola et Max Debeka. Alors le concert de clôture se fera donc avec notre tête d'affiche Isha et également avec Miss Angel. Il y aura le slam ce soir avec la double version donc des deux Lisette, Lisette Lombé et Lisette Maneza. Pourquoi les deux Lisette en plus? Parce que toutes les deux, donc l'une est francophone et l'autre néerlandophone, ce qui représente donc bien notre Belgique nationale. Alors il n'y a pas de thème de prédilection, mais c'était pour nous, on avait mis un point d'honneur à commencer aujourd'hui. Parce qu'à la base, on commence essentiellement le jeudi, mais pour nous c'était vraiment important de pouvoir commencer le 30, puisque donc c'est les 61 ans d'indépendance du Congo. Et donc on connaît très bien effectivement le lien que la Belgique peut avoir avec l'Afrique et surtout donc avec le Congo. Mais oui, d'où le nom Congolisation. Exactement. Hein, c'est un mix de Congo et de colonisation. Là, ce sera dans le petit café. Là, je vais juste ambiancer, mettre un peu du baume au cœur pour échauffer les esprits avant un grand truc, un grand événement, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis déjà hyper, hyper, hyper fière et hyper heureuse qu'on m'ait sollicité pour Congolisation. Je suis très, très, très fière. Eh ben, on est très contents. Jamais sans toi. Et en tout cas, longue vie à Congolisation. Merci beaucoup. Merci Isabelle. À bientôt. Ciao.